Est-il vrai que les jumeaux sont deux moitiés de la même âme? Vous allez inconsciemment et indéniablement être sûr que vous êtes la moitié de votre flamme jumelle, et quelle est votre moitié? Lorsque vous vous rencontrez en personne, vous venez des différents environnements, mais la familiarité les uns avec les autres est étrange. Vous semblez être une âme dans deux corps. Seule une personne qui a rencontré une flamme jumelle peut attester du fait que vous avez l'impression de savoir ce qu'elles pensent. Vous pouvez sentir leurs humeurs. Vous êtes affecté par leur joie ou leur tristesse. Parfois, vous pouvez anticiper les besoins de l'autre. Vous avez également l'impression de vivre l'un à l'intérieur de l'autre, avec une conscience partagée. Même si vous êtes physiquement séparés les uns des autres, vous ressentez un sentiment d'énergie partagée avec votre flamme jumelle. Vous ressentez son essence avec vous partout où vous allez. Parfois, rencontrer une flamme jumelle ressemble à un défi. Une fois leur énergie activée en vous, tout change de sens. Votre connexion vous rend plus conscient de vos futures relations. Votre définition de l'amour et des relations change. Vous vous lancez dans un voyage de redécouverte de soi spontané. Votre vie change pour toujours. Après, rencontrez votre jumeau. Un processus de purification de votre énergie et d'élévation de votre vibration se déclenche. C'est avant tout un travail intérieur engagé qu'il faut faire. C'est une ascension personnelle avec d'autres relations d'âme-sœur. C'est beaucoup plus lent. Lorsque vous rencontrez votre jumeau, c'est amplifié et accéléré. C'est pourquoi c'est si difficile. C'est pourquoi il est si important que vous ayez purifié votre énergie et que vous soyez dans un état vibratoire élevé, en tant qu'un avec votre jumeau, et pas nécessairement ensemble physiquement, mais en véritable harmonie avec lui. Vous êtes une entité très puissante. Vous remplirez une mission de service envers le collectif des flammes jumelles et l'ascension de cette planète. C'est la force de l'énergie de votre amour inconditionnel, qui est l'amour que vous avez certainement l'un pour l'autre. Nous avons nous-mêmes choisi ce voyage avant de nous incarner ici. Nous savions que nous pouvions atteindre une harmonie totale avec notre jumeau. Même s'il paraît difficile, c'est tout à fait possible de le faire. Vous avez votre âme, vos guides spirituels et le soi supérieur de votre jumeau pour vous aider et vous guider, si vous le leur demandez.